Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Oui, j'y suis retournée, j'ai craqué. Oui. Comme tout a rouvert, forcément. On y avait déjà été samedi pour tout ce qui était déco de Noël. Donc, de toute façon, je vais vous faire un vlog, je vais vous montrer tout ça. Mais du coup, j'étais tellement impatiente que les décos de Noël sont déjà mises. Mais du coup, j'y suis retournée après pour acheter quelques petites choses. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé. Il n'y a pas d'ordre, hein. J'essaye de prendre en fonction du ticket parce que moi et le ticket action, on est un petit peu fâchés des fois. J'ai trouvé une jolie lanterne comme ça, elle est trop trop belle. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'en ai jamais acheté et je l'ai trouvée vraiment très très belle. Donc, du coup, à l'intérieur, vous avez un petit quelque chose. Je ne sais pas si je vais mettre une bougie ou si je vais mettre une. Je sais pas si ça s'enlève ça. Ah, si, ça s'enlève. Ça s'enlève, ça s'enlève. Donc c'est plutôt pratique. Je pense que je vais mettre plutôt un photophore ou je sais pas. Je vais voir un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever cette partie-là et mettre une plus grosse bougie du coup bah, jusqu'au fond. Donc je trouve ça pas mal. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Il y avait d'autres coloris. Moi j'ai pris celle-ci. Elle était à 3,99€. Donc ça reste raisonnable et c'est plutôt. Voilà. C'est plutôt mignon avec les périodes des fêtes en plus. J'essaie de faire un peu de place et de mettre ça là-bas. Voilà. Ensuite, que je prenne en fonction de mon ticket, comme je vous ai dit. J'ai trouvé des petits gommages comme ça. Je ne les connais pas du tout, les petits gommages. C'est c'est du gommage pour le corps au café. Voilà. Donc, comme vous savez, j'en prends déjà chez Action, mais les pots un peu basiques, on va dire. Et là, j'ai trouvé des petits gommages comme ça. Donc, c'est pratique parce que du coup, vous dosez et puis c'est refermable. Donc, c'est plutôt pratique. Il y a 150 grammes à l'intérieur. Et du coup, j'en ai pris deux. Il n'y avait que au café. Et c'était au prix de 2,99€ l'unité. Ensuite, j'ai trouvé. Oh, dernière petite déco de Noël que j'achète. C'est une petite maison comme ça. Vous en avez plein, 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 plein. Et du coup, ça fonctionne à pile. Donc, ça, c'est bien parce que le problème, c'est que il y a plein de petites choses qui sont mignonnes, mais les piles rondes, c'est toujours un peu galère. Et là, du coup, c'est des piles. Vous voyez, c'est des piles basiques. Voilà. Du coup. Je la trouvais trop mignonne. Bon, bien sûr, ça perd toutes les paillettes. J'aurais dû acheter de la laque. Mais voilà, je l'ai trouvée trop mignonne. Et elle était au prix de 3,69€. Voilà, les décos de Noël, franchement, chez Action, si vous cherchez des décos de Noël, allez chez Action, c'est vraiment pas cher. Franchement, c'est pas cher du tout. On a comparé un petit peu, c'est pas cher. Et c'est vrai que vous trouvez des petites mignonneries. Voilà, c'est trop mignon. J'adore. J'ai des paillettes partout maintenant. Ensuite, j'ai trouvé ce petit cadre. Il est trop mignon. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de reflets. En fait, c'est. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je ne vais même pas enlever la photo. Mais je trouvais ça trop mignon avec la petite bouteille de parfum comme ça pour mettre sur ma coiffeuse. Vous avez des petits liserés comme ça. Vous avez des gros reflets. Il est tout basique comme ça. Et du coup, pour poser sur ma coiffeuse, il fait miroir en même temps. Donc, je l'ai trouvé trop mignon. Et il était au prix de 2,59€. Voilà. Ensuite. J'ai pris ce plateau trop mignon. Voilà, il en existait pardon, plusieurs formats. Vous avez des plus gros, des plus petits. Au niveau des teintes, je crois pas qu'il y avait de. Il n'y avait que ce coloris-là, il me semble, je ne sais plus. Hein. Franchement, il y avait tellement de monde dans le magasin que c'était un petit peu compliqué. Le plateau était au prix de 2,95€ et comme je vous dis, il y en avait des plus grands. Donc voilà. Mais je les trouve trop mignons comme ça. Et je vais vous montrer en vlog du coup. Comment je vais refaire un peu la déco. Ensuite, je me suis repris des boules de bain parce que je me rendais compte que je n'en avais plus. Qu'est-ce que j'en utilise des boules de bain? Alors, j'en ai deux, mais du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais. Ça sent bon celle-là. Alors, je pense que celle-ci, elle était au prix d'€1,95, je pense. Bon, après, c'est à peu près les mêmes tarifs. Elle est toute pailletée comme ça, voilà. C'est pas une nouveauté chez Action. Mais du coup, j'ai pris celle-ci, toute pailletée, violette et bleue, comme ça. Donc à 1,95€. Et celle-ci était au prix d'€1,99€. Elle sent hyper bon. Ouais, c'est aromatique. Je sais pas trop. Chamomile. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et en fait, vous avez des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, celle-ci était au prix d'€1,99€. Voilà. J'essaie de pousser pour pas vous remontrer 10 fois la même chose. Ensuite, j'ai repris le petit exfoliant comme ça de la marque Alvira parce que je l'ai testé, je l'aime beaucoup. Donc du coup, j'en ai repris un pour le stock.
C'est l'exfoliant doux, franchement, il a les petits grains, enfin, tout est très bien. L'odeur, ça sent bon, mais c'est pas violent au niveau de l'odeur. Ça a l'air vraiment naturel, donc voilà. Il était au prix d'un euro 49. J'ai pris aussi le gommage pour le corps, comme ça, j'en ai trouvé un. C'est à l'argan, donc c'est un body scrub, tout simplement, de 125 ml. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Celui-ci était au prix de 1,59 €. Je me suis surpris, plein de masques pour le visage parce que je n'en avais plus, tout simplement. Alors, que j'essaye de les retrouver. Ça, c'était 1,38 €. Non, c'était 69 centimes le masque. Ah oui, voilà. Donc, à 69 centimes le masque, j'en ai repris un à l'avocat, comme ça. Je sais pas si. Je crois que j'en ai déjà pris, mais je l'aime beaucoup. Donc, du coup, j'en ai repris deux comme ça. Donc, deux. Comme ceci, à 69 centimes chez Action. Ils sont très très bien ceux-là. Et j'en ai pris deux comme ça, toujours de la même marque, c'est The Beauty Département. Et en fait, c'est au tea tree. Voilà, donc je vais pouvoir tester. Voilà, les tea tree, apparemment, ça a une bonne vertu. Donc du coup, j'ai hâte de tester. Donc ils étaient à 69 centimes, ceux-là, pièce. Et j'en ai pris d'autres à 75 centimes. Donc j'en ai pris deux comme ça au CBD, là. Je sais pas trop quoi. Donc ça a l'air plutôt naturel et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'en ai pris un au flocon d'avoine, comme ça, pour tester. Voilà, tout simplement. Donc c'est 100% biodégradable. Voilà, formule vegan. Donc si vous trouvez ces petits masques-là, n'hésitez pas. Apparemment, ils sont pas mal. Ensuite, j'ai retrouvé l'arme du crime pour celles qui avaient suivi avant le confinement. Oui, au moment où on a été confinés presque. J'avais acheté un brûleur, tout simplement, chez Action. Et mes chats me l'ont cassé. Donc ça a été très compliqué pour moi parce que c'était vraiment une découverte. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi d'en racheter pendant le confinement. J'en ai retrouvé. Et du coup, j'ai retrouvé le kit. Voilà, ils leur font là, le petit kit du coup. Donc c'était ce petit brûleur-là que mes chats ont cassé. Et ils vous mettent 6 petits fondants à l'intérieur. Et franchement, si vous le trouvez, allez-y. Parce que autant les petits fondants individuels, les petites boîtes que je vous avais montrées à 99 centimes, je trouve pas ça ouf, honnêtement, c'est mon avis. Mais alors ceux-là, la vanille, franchement, ils sentent très très bon. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Parce que dans le rayon, il y a d'autres senteurs, mais la vanille, c'était le dernier. Donc je l'ai repris, je trouve ça trop mignon. En plus, c'est vrai que ça peut faire un joli petit cadeau. Vous avez le bowler et les 6 fondants. Donc voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas, franchement, la vanille, elle sent très très bon. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas, voilà. Et le petit kit, il était au prix de 1,99 €, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai repris une bougie comme ça, que j'avais déjà achetée, mais c'est pour ma déco, je vais vous montrer tout ça dans le vlog. Voilà, elle est balèze, hein, je ne sais pas combien elle fait, je vais pas chercher. Elle est au prix de 6,95 €. Elle existe aussi en blanc, mais là il restait plus que du noir. Mais moi je l'avais trouvé aussi en blanc il y a quelques temps. Et du coup je l'ai repris pour faire ma déco, parce que j'en ai une qui est déjà presque finie. Donc du coup j'en ai besoin. Et franchement elles sont très très belles. Elles sont, vous voyez le packaging, elles sont soft. Mais elles sont très très belles. Franchement ça fonctionne très très bien. Elles sont très très lourdes et très très grosses. Mais franchement pour 6,95 €, avoir des grosses bougies comme ça, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris des petits coffrets comme ça pour mettre sous le petit sapin. Je vous montrerai en vlog, hein, n'hésitez pas. Donc j'en ai repris deux comme ça, il en restait que deux comme ça. Après vous avez plusieurs coloris, vous avez du bleu, vous avez plusieurs grandeurs aussi. À la base c'est des petites boîtes cadeaux, hein, tout simplement. Mais du coup nous, ça va nous servir pour autre chose. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'était au prix de 59 centimes. Ensuite, oui j'ai pris beaucoup de choses cette fois-ci. J'ai trouvé des petits coffrets comme ça, trop mignons, avec des petites roses. Donc ça va être pour ma déco de coiffeuse, je pense. Ils étaient au prix de 99 centimes. Il y avait du gris aussi, mais j'ai pris blanc et j'ai pris rouge comme ça. Voilà, pour faire une petite déco sympa. Je trouve ça trop mignon, 99 centimes, ça va. Ensuite, je me suis laissée tenter. Je l'avais vu il y a quelques temps et après, il n'y en avait plus. Et là, du coup, ils en ont remis. Donc, c'est des petits globes comme ça. Je trouve ça très mignon en déco aussi. Il y a plusieurs teintes, vous avez noir, vous avez doré et vous avez je sais plus comment. Et voilà, c'est tout basique, mais franchement ça fonctionne très bien à 2,49 €. Voilà, je trouve ça trop mignon. Il est tout petit, hein, en fait, hein, mais voilà, il est trop mignon.
Et pour finir, je me suis repris des bougies Airwick. J'en vois beaucoup passer et là, ils ont fait senteur, il y avait senteur vanille. Et donc, il en restait presque plus. Autant vous dire que ça part très très vite. Et franchement, ça sent hyper bon. Parce que du coup, je commence à avoir pas beaucoup de tartelettes qui me restent. Donc du coup, je me réfugie un peu sur ça. Elles étaient au prix de 1,95€ pièce. Donc du coup, j'en ai pris deux, les Airwick comme ça. Donc senteur vanille. Et elles sont très très bonnes. Donc j'ai hâte de les brûler. Vous avez aussi linge propre, je crois. Et une autre odeur, mais je me souviens plus. Voilà. Bah écoutez, c'est fini pour mon haul action. Pour une fois, j'ai acheté pas mal de déco. Je suis plutôt contente. Je vais vous montrer tout ça en vlog. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mon vlog qui va arriver prochainement. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.